Voilà. Une fois encore, mon soutien à la dame Mariam Touré. Moi, que je ne connais même pas, je la vois mener des actions pour soutenir des démunis dans ce pays-là. Des gens qui vraiment ont besoin d'aide. Elle est journaliste. Elle a un métier. Il y a des sujets qu'elle peut parler. C'est cette dame, comme je vous dis, moi, une Guinéenne, une journaliste qu'on voit le plus souvent mener des actions pour aider certaines personnes. Mais comme le Guinéen, il y a certains, c'est des hypocrites. Un, ils ne contribuent pas. C'est-à-dire qu'il y a de ces conseils que vous pouvez donner. Mais des gens, tellement qu'ils sont remplis de haine, les suggestions, c'est bien. Vous voulez faire certaines choses, mais se mettre à dénigrer, à raconter des salades sur cette dame, franchement, arrêtez pour vous. Vous me voyez, moi, Damaro. C'est pourquoi quand je veux que les gens aident une personne, je mets son numéro orange, je mets les numéros plutôt, orange money des personnes. Mais les Guinécois, eux, ce qu'ils ne peuvent pas faire, ce que eux, ils ne peuvent pas faire dans la société, d'autres réussissent à le faire, ils vont dénigrer ces gens-là. Et c'est encore vous les hypocrites. Si la dame ne monte pas ces personnes, vous allez encore dire, ah non, on a donné tel montant à Barakobridom, il a mangé l'argent. C'est pourquoi elle monte ces gens-là. C'est à cause de vous les hypocrites, vous qui critiquez. Si elle ne monte pas, parce que on se connaît dans ce pays-là, si elle ne monte pas, si cette dame-là, hein, si elle ne monte pas les victimes, vous allez encore dire, elle a mangé l'argent, elle a fait ceci, cela, on a donné l'argent, elle a mangé. On monte encore, c'est encore les mêmes hypocrites qui vont dire, ah non, elle ne doit pas exposer. Et si elle ne monte pas, vous allez dire quoi, vous les hypocrites? Vous n'allez pas dire qu'ils ont donné des millions? Vous n'allez pas dire qu'ils ont donné des milliards? Encore vous les hypocrites, la manière encore, vous allez juger. Nama, à toi dit. Wari la wani mwamenouma. Nama wali, wari Kenya yila. Al-Dafo, hein, on a donné l'argent. Wari wani nyamka, al-malo. Maintenant, c'est pour critiquer, saboter le travail des autres. Le plus important, c'est d'apporter assistance. C'est d'apporter assistance à ces personnes. Autant la hypocrisie. Si vous voulez la suggérer quelque chose, hein? Si vous voulez la suggérer de quelque chose, rentrez en privé. Rentrez en privé. C'est à cause de vous qu'elle expose, qu'elle monte ces personnes. Mais franchement, ce pays-là, je me demande, d'autres veulent l'arranger, d'autres sont là pour saboter, d'autres sont là pour gâter. En tout cas, moi, mon soutien pour elle. Parce que je suis dans le même domaine. Parce que quand tu refuses, c'est-à-dire quand tu refuses de les montrer, même 5 francs, ils n'ont pas mis dedans. Hein. Ils n'ont pas cotisé. Hein. Ils n'ont pas apporté leur contribution. Mais c'est encore eux qui viennent toujours pour dénigrer les gens. C'est-à-dire pour décourager les bonnes personnes. Vous, vous êtes assis là-bas. Ces personnes sont cachées. Ces personnes appellent la dame. Ces personnes leur disent, oh, Mariam, il faut nous aider. Pardon. Il faut nous aider. En tout cas, tu as... merci. Prague for Eva. C'est encore, bon, regardez, merci de m'avoir donné l'idée là. Si elle ne monte pas, si elle ne monte pas aux gens, c'est encore les mêmes personnes qui vont dire, ah, c'est de l'arnaque. Si elle ne monte pas ces gens-là, comment les gens vont donner? Ça dit, ce pays-là, moi, je suis découragé de certaines personnes. Je suis découragé de certaines personnes. D'autres veulent bien faire, mais il y a des hypocrites qui sont toujours là pour marcher, c'est-à-dire pour piétiner les bonnes choses. Si elle ne vient pas vous montrer, si elle ne vient pas vous montrer ces personnes-là, d'ailleurs, c'est toujours ces personnes, ils ne cotisent pas, ils ne donnent rien, c'est eux qui sont là pour décourager. Si elle ne monte pas, vous allez dire quoi? Et moi, Damaro, je viens comme ça, j'ai dit, ok, je connais une personne, il a besoin d'aide, envoyez. Vous allez voir sur la toile, oh, Damaro est devenu escroc international sur les réseaux sociaux, il est en train d'arnaquer. Kamuna Mere Massé. Non, elle ne doit pas montrer. Oh, t'es hypocrite. Vous n'apportez absolument rien. Comment masser? Comment les gens sauront vraiment que d'autres ont besoin d'aide?
comment masser autant que ya. Vous ne voulez pas contribuer, mais ça dit n'apporte rien. Mais l'action de cette dame là, elle est vraiment brave cette dame. Elle est vraiment brave cette dame. Même Adam Adé, tu peux juger quelqu'un. Il y a rap physionomie to, il y a kolomiri fa inara kamiki kobinara. Pardonnez. Si vous ne pouvez pas apporter votre soutien à certaines personnes, hé, hey, au dundu, au déballant, au escroc avec le Facebook, ma, au mouné attaqué, ma. Les escrocs sur Facebook, ne remerai anarqué, ma, ou écolo. Mais vous ne parlez pas de ces gens-là. Mais celle qui va, hein, des nécessités, ané tongo, afay fotora. Si ça vous dérange, mais ne la suivez pas. Si ça vous dérange, autant, monsieur Abama. Non, mais franchement, moi, je commence à en avoir marre de certaines personnes. La dame laisse tout. Elle se déplace. Asigana Mere Mali. C'est ces personnes qui l'appellent. Elle vient, elle fait ça aussi. Tu vas entendre des escrocs. Au lieu d'encourager, au lieu de faire des suggestions en privé à la dame. Non. Et Mounara Bamade. Et Wamanakali Kanafe. Parce que oui, les actions qu'elle a posées, même association Belebele Ndena et Maraba. Ce que la dame l'a fait, sauver des vies, autant d'or, orafa nama berenaki, orafa nakali kana. Arrêtez à un moment donné. Arrêtez. Réfléchissez avant de sortir et raconter des salades. Si elle ne vient pas vous montrer ces personnes-là, ce dont vous dites aujourd'hui, elle ne doit pas exposer ces personnes-là. Elle est en train de arnaquer les gens. Si la dame là ne montre pas ces personnes là, car c'est ces personnes même qui se plaignent. Hein? Les nafigi qui sont assis là-bas, Walimebe, autant escroc. Si la dame là ne montre pas ces personnes là, vous ne pouvez rien apporter. Odoro nafigiya. Franchement, si vous avez des suggestions à faire, vous êtes guinéenne ou guinéen comme elle, vous l'appelez en privé. Autant escroc dehors. Vous n'avez rien donné. Vous n'avez rien apporté. En tout cas, nous, on la soutient. Voilà. Elle n'est pas sa politique. Ce n'est même pas culturel. Elle apporte assistance. Elle prend son temps pour aider ces personnes-là. La Guinée-Ka, Rana Figuia, Boutro. Si on venait dire ici, ok, elle a reçu 20 millions. Les mêmes personnes vont dire, ok, où est, c'est-à-dire l'image de ces personnes-là. C'est encore les mêmes personnes. Vous allez voir, on montre ces mêmes personnes. Partout dans d'autres pays, ça se passe en Côte d'Ivoire, au Burkina. Mais vous n'allez jamais entendre quelqu'un sortir, dénigrer ces personnes. Vous voyez en Côte d'Ivoire, vous voyez l'autre là, Seni Karangba. Seni Karangba qui est bien suivi en Côte d'Ivoire. Seni Karangba fait la même chose. L'activiste ivoirien Seni Karangba, il fait la même chose. Mais vous n'allez jamais voir un Ivoirien, Apuchi ou quelqu'un, ou Makoso, quelqu'un contre Seni Karangba. Mais c'est seulement en Guinée. Des gens, rien dans la tête, sont assises sur les réseaux sociaux à raconter des salades. Elle expose, elle montre ce qu'elle fait. Et les victimes n'ont pas de... C'est-à-dire ces personnes-là n'ont pas de problème avec ce qu'elles font. Tant que les... Il y a certaines personnes, tant qu'ils ne voient pas les images, ils n'ont pas le courage. Hein? Tant qu'elle ne fait pas ça, tant que Mariam ne fait pas ça, vous les mêmes escrocs, vous allez sortir et ça fait combien de temps la dame-là, elle est en train de se battre? Ça fait combien de temps la dame se bat? Vous n'avez plus de sujet. Vous n'avez plus de sujet. C'est le mois saint. Au lieu de faire autre chose, non, non, non. C'est pour dénigrer les bonnes actions. Non, mais franchement. Non. On ne va pas accepter que des bonnes personnes comme ça, certaines viennent Et Rafa Birin, Guinédira Action, journaliste Nara, Arawali Birin Luna, Asiga, Amire Mali, la Guinée Kananaki, Kaimu Prev Masse, et Tanama Minima, et Rlikana, et Fala Aderede, Abrafini Escro, Abara Kobri Tongo, et Escro Colon, réseaux sociaux.
blogueur, blogueuse, ne remerai à cobre ton goma, et ne colo, et me der abima, et ouenema, parce que colo est birilla. Et birilla, et nous ne birilla. Ne re escro yarabama, ne remerai escroquema, et cobre don. Et maï fou yaraba, mais guine dit, amassé. Cobre sigama denra, cobre n'a sotor. Autant en affugia, falafeko, c'est pas bon de exposer. Autant en affugia, et relire, c'est pas à cause de vous. C'est pas à cause de vous. C'est pas à cause de vous que ils sont pas, elle est en train de montrer ça. C'est pas à cause de vous. Odé. Sinon, elle n'a même pas besoin de montrer. Mais les Guinéens, Ombouri, Colon, on se connaît. Parce que si elle n'expose pas ça, c'est encore les mêmes personnes qui vont sortir ici. Pour prendre ces images. Oh, telle personne m'a appelé. Elle a, il a fait ça. J'ai donné ça. Non, mais franchement, arrêtez à un moment donné, hein. Arrêtez à un moment donné. Voilà. Regardez la personne de Mariam Touré. Même Yato. Même Yato, quand tu vois la dame là, tu sens vraiment que non, c'est une vraie Yato. Elle est honnête à Naganabama. Des petites personnes, Teler Biri et Tanandore, elles n'ont même pas de sujet. Ce que les autres font faire, vous êtes flanqués en Europe là-bas pour dire que vous allez critiquer la dame là. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Attends, c'est pourquoi moi je ne les réponds même pas à un moment donné. Parce qu'elles sont tellement communautaires dans la tête. Nana Raka, ces mêmes personnes, escrocs et tominibé, n'tanyame dango. Mais Falafé aura mérité de décourager Guinédi Naganabama. C'est ces mêmes personnes qui envoient la photo à la dame. Elle ne va pas prendre les photos forcées. Ça se passe partout. Sur les réseaux sociaux, vous voyez. Ceux qui sont escrocs là, ineto, tu vas le savoir. Ceux qui le font pour arnaquer. Quand tu le vois là. Mais Mariam, elle ne se cache pas. Elle va jusqu'à dans les familles. Elle va jusqu'auprès des gens. Et vous voyez ces gens-là. La remercier. Vous vous êtes flanqué ailleurs à des milliers de kilomètres. Vous ne pouvez pas apporter assistance à ces personnes. Et ceux qui le font, qui se déplacent, qui sont sur le terrain. Au lieu d'encourager. Au lieu d'encourager. Vous n'avez même pas de sujet. Au dehors. Pour raconter des salades sur la vie des gens. À un moment donné, c'est pas comme ça. Quand on veut améliorer les choses, ce n'est pas comme ça qu'il faut remercier les gens. Ce n'est pas comme ça qu'il faut remercier cette dame. Mariam Touré, moi personnellement, je ne vous connais pas, mais ce que je tiens à vous dire, ne vous découragez même pas. Ne vous découragez pas. Ces personnes, elles sont jalouses de vous. Ce que vous réussissez à faire aujourd'hui, elles ne peuvent pas le faire, Mariam. Continue ton chemin. Tu veux aider, il faut continuer. Toutes les bonnes personnes tu veux aider, il faut le faire. Il ne faut même pas écouter les salades des gens. Il ne faut même pas écouter. Il ne faut même pas les écouter. Tu as le soutien de la majorité du peuple de Guinée. C'est ce qui compte. Depuis que vous avez commencé ici, personne. Il ne faut même pas écouter. C'est des gens qui n'ont pas de sujet. C'est des gens qui n'ont pas été à l'école. C'est des gens qui ne réfléchissent même pas avant de parler. C'est sauver des vies qui comptent. Ou soi-disant qu'elle a montré, elle a montré l'image des gens là. C'est sauver des vies. Quand il y a eu, comme on appelle, l'incendie de Kaloum, vous n'avez pas vu des images des personnes nues, tout ça là. Quand des gens mènent des actions, il faut encourager. Si vous ne pouvez pas apporter votre soutien, si vous ne pouvez pas apporter des critiques positives, arrêtez de vous asseoir et raconter des salades. Elle a exposé telle. Comment les gens sauront que oui, elle doit aider? Comment les gens sauront que oui, ils doivent apporter des aides? Même il y a des organisations, ici aux États-Unis, ils ont leur page professionnelle. Il y a les images des gens, des handicapés qu'on monte sur ces pages professionnelles pour faire des dons. Même quand vous partez dans les McDonald's, vous voyez même des photos des personnes qu'on doit aider. Elle le fait, des petites personnes sont assises là-bas, elles n'ont rien, n'ont pas de programme, que vous allez critiquer la dame. Dame Mariam Touré, continuez votre combat. Continuez votre combat. Vous avez choisi, vous avez ce talent de le faire. Vous n'avez pas besoin d'écouter ces critiques inutiles. Ces femmes-là ne vous dépassent en rien. Vous êtes plus intellectuel qu'elles. Vous êtes plus intelligente qu'elles. Vous n'avez pas besoin de les écouter. Vous n'avez pas besoin d'écouter ces blabla de ces petites personnes. Continuez votre combat. Vous voulez, les gens vous appellent pour de l'aide. Faites comme ces personnes la veulent. Mais il ne faut même pas écouter ces critiques de ces petites personnes. Elles ne vous arriveront jamais aux chevilles. Voilà.
ceux qui viennent d'arriver, j'ai fait cette vidéo pour soutenir la dame du nom de Mariam Touré, comme je l'ai dit. Moi, quand je vois les bonnes choses et que je vois certains veulent vraiment dénigrer cette dame, hein, rendre cette dame, elle est loin de ce que ces petites personnes dans la tête pensent. En tout cas, nous la soutenons dans ce qu'elle fait. Voilà. Toi qui dis c'est le carême, là, c'est ton problème. Ou bien on t'a forcé de venir ici. Allez, Nafi Akumao. Toi, c'est Koudialo, là. On t'a forcé de venir ici. C'est carême. C'est ton problème. Ce que je suis en train de dire, c'est avec ta bouche. C'est avec ton téléphone. Ou bien tu es forcé de venir regarder ce live. Ce que je suis en train de dire. Ça aussi, ça coupe le carême. C'est-à-dire, moi, ça cause des personnes comme vous. Ne réfléchissez même pas avant de parler. Donc, je tiens à vraiment à apporter mon soutien. Et déjà, dans les commentaires, vous pouvez voir. Voilà, Mariam, nous te soutenons. Il ne faut même pas écouter ces personnes qui sont assises. Aujourd'hui, le blog en Guinée, c'est de n'importe quoi. Ils s'asseyent. Moi, c'est pourquoi quand je suis dans la politique, c'est la politique. Je ne parle que de politique. Vie privée des gens, des salades. Voilà. Non, c'est que même si tu m'aimes, et après, quand tu viens mettre des commentaires bidons, là, je ne tolère pas, hein, parce que, en quelque sorte, c'est du sabotage. Voilà, cette journaliste, c'est d'elle qu'on parle. Des gens ont commencé à la dénigrer. Les actions qu'elle mène, vous pouvez aller sur sa page officielle. Il y a des Guinéens aujourd'hui qui sont cachés, qui n'ont pas de parents, qui ont besoin d'elle. Et cette dame passe tout son temps en train d'apporter assistance, à appeler des personnes de bonne volonté pour aider ces gens-là. Et quand elle vient montrer aussi les nafugi, les escrocs, des personnes négatives qui ne peuvent rien apporter à ces gens, hein, au lieu d'encourager la dame dans ce qu'elle fait, non, ces personnes-là ne le font pas. Edoro nafugia, era guinédia relikan. Et Rafa la Soriki, en Amérique, a exposé fait. Ces personnes-là sont d'accord avec ça. Amé ma gélissama, fouremou no rouman. La maladie, on ne cache même pas. Ceux qui cachent leur maladie, c'est eux qui meurent. Ceux qui cachent la maladie, ne veulent pas fourer no rouman, ne n'en farama. Foure ta mou no rouman. Fouremou no rouman. Voilà. La maladie, là, tu caches là. Tu caches la maladie, tu vas mourir avec. Elle s'appelle Mariam. Mariam Touré, la journaliste, vous pouvez taper Mariam Touré et tout ce qu'elle fait. C'est pour vous dire que la maladie, on ne cache pas la maladie. Ces gens-là sont d'accord. Ces gens-là ont besoin d'aide. Hein? Ces gens-là ont besoin d'aide. C'est pourquoi ils appellent Mariam pour venir les apporter assistance. Mais au lieu d'encourager. Ah non, c'est ça, c'est la manière, elle expose les gens là, ils t'en dorent. 5 francs, tu n'as pas donné. 5 francs, tu n'as pas donné. 5 francs. Et comment les gens sauront vraiment que ce que Mariam est en train de mener, c'est vrai ou faux? C'est encore vous les mêmes personnes. C'est vous qui allez dire, ah non, 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 est-ce que le barakbo réseau social et n'aimerait en arquer. Donc, je vais vous laisser la famille. C'est le mois de carême. C'était pour faire une petite vidéo pour soutenir, voilà, pour soutenir notre sœur Mariam Touré, journaliste, qui apporte beaucoup d'aide aux démunis. Et il y a d'autres Guinéens, aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, qui s'asseyent sur leurs pages pour raconter des salades, au lieu de faire des critiques constructives, des critiques vraiment, qui peuvent améliorer les choses, aider ces personnes. Ces victimes, non. On vient, ceux qui vraiment prennent leur temps pour mener des actions, pour vraiment aider ces démunis, ils viennent s'asseoir pour saboter ces personnes. Arrêtez un peu vos bêtises là à un moment donné. Réfléchissez avant d'agir. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Merci Alpha Joe. Merci Sidiba. Merci à Mamadouba Kamara. Merci à Ibrahim Assouri Keita. Mamad. Voilà. Merci Lamara Nassau. Ismaël Diallo, merci à vous. Moussagbe Diakité, merci à vous. Merci à Mohamed Chérif. Donc, continuons à encourager la dame.
Voilà, Mariam continue à encourager ces petites personnes. Lamzi, merci. Amara Touré, merci à vous. Eska Fofana, merci à vous. Makabari, merci. Non, nous, ça dit, peut-être que ceux qui ne la suivent pas diront, ne peuvent pas parler. Mais ceux qui suivent la dame là, elle se déplace et pas dans des villages. Hein? Elle prend la moto, on la voit. Il pleut souvent, tu vois la dame là. Thank you.